Comme si c'était la fête. C'est cool la fête. Vas-y, profite, chante, danse. Fais la fête avec l'univers. C'est pas tous les jours. Faire un grand feu de joie avec toute la poussière. C'est super. Car le feu transmute tout. Le feu nettoie, détruit. Mais de ces cendres, toujours quelque chose de beau en est. Alors laisse ces flammes consumer toute cette poussière. Et observe, observe ce qui renaît de ces cendres. Est-ce que tu visualises toutes ces cendres? Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu observes des nouvelles choses sortir de ces cendres? Écris-moi ce que tu vois. Une petite fille. D'accord. Comment elle est cette petite fille? Quel âge elle a? Cinq, six ans. Comment elle est habillée? Comment tu la vois, elle est plutôt joyeuse, triste. Pas vraiment d'émotion. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette petite fille? La fête va s'arrêter. Elle quoi? La fête s'arrêter. D'accord. Et la petite fille est toujours là? Elle est dans les cendres? Approche-toi un peu d'elle. Et dis-moi ce qui se passe. C'est comme si on avait peur toutes les deux. D'accord. Demande-lui de quoi elle a peur. C'est pas vrai. Et demande-lui d'où elle vient. De décembre. D'accord, oui. Oui, c'est logique. Poser des questions bêtes quelquefois. Et du coup, elle ne sait pas d'où elle vient. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette petite fille pour la rassurer? On va faire la fête. Ok. Alors, peut-être que... Danser. Ouais. Alors peut-être prends-la par la main, mets une petite musique. Tu peux même rajouter des ballons, des petites licornes, des arcs-en-ciel. Et danser avec. Elle a les yeux très bleus. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je lui ai fait visiter. Tu lui as fait visiter quoi? Où est-ce que vous êtes? C'est chez moi. Chez toi aujourd'hui? C'est où chez toi? Il y a plein de couleurs. Ouais, super. Décris-moi ces couleurs. Il y a quoi comme couleur? Il y a du jaune. Il y a beaucoup de jaune. Ouais. Comment il est le sol? Vas-y, dis-moi. C'est mou, ça fait un peu de guimauve. Ouais, c'est cool. On peut rebondir dessus. Oh bah allez-y, rebondissez. C'est terrible. J'adorerais. Ah, vous pouvez faire des roulades, des galibettes, c'est de la guimauve. Et vous êtes dehors ou à l'intérieur? Et comment c'est les murs à l'intérieur? C'est plein de couleurs, il y a des dessins. Ouais. Pas sur une peinture pour enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait la petite fille? Elle regarde. Comment elle se sent? Elle a envie de rire. Tu as dit quoi? Elle a envie de rire. Eh ben qu'elle rigole alors. Faut pas se priver de rire. Ça la fait rire tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et toi, comment tu te sens? Je suis contente. Ouais. Demande-lui de quoi elle a besoin, cette petite fille, aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je veux jouer. Ok. Eh ben, faut jouer alors. Continue à jouer avec. Et tu peux lui dire qu'à partir de maintenant, tu seras toujours avec elle pour jouer. Que la vie est un jeu. Et qu'elle peut être rassurée. Oui, qu'est-ce qui se passe? Des grosses barbes de papa. Ouais. Y'a quoi d'autre? Des arcs-en-ciel. Cool. Bien, profite bien de cet instant. Et ce que je te propose de faire maintenant, c'est de faire un gros câlin à cette petite fille. Voilà. Et de lui donner plein d'amour. Plein, plein d'amour. Et tu vas lui dire qu'à partir de maintenant, plus jamais vous ne serez séparés. Et tu vas pouvoir
Intégrer la petite fille en toi. Fusionner avec elle. La faire grandir en toi. Et conserver cette joie d'enfant. Cette sensation, cet endroit. Plein de guimauves, de barbe à papa et d'arc-en-ciel. Et ressens ce que ça fait à l'intérieur de toi. Commencez maintenant. Ouais, cool. Alors profite. Profite de ce bien-être. Ce bien-être est en toi maintenant, qui sera toujours en toi aujourd'hui et maintenant. Et tout cela te rappelle ce qui est important, c'est de conserver cette joie d'enfant.